Ah, oui. Enfin, c'est même pas que c'est le premier rue. J'ai fait une affiche. Bonjour. Anne. Bonjour. Écoutez, Christiane. Encore un peu courant, les skieurs. Tu vois, excuse-moi, hein, François, mais je t'avais dit des conneries. Ben tu vois le coup, je t'en étais sûr. À qui ça ce ski là? Aujourd'hui, c'est les miens. Les skieurs du dimanche, plus ceux qui sont arrivés hier. Là, on est au télésiège des coqs. Il est 10h30. Les papy riders ne sont toujours pas en vue. Toujours rien à l'horizon. Ici. On casse le fil. Ouais. Je sais pas d'où ils sortent. Alors. Ils sont là. C'est de la folie. Ah. À mon avis, ils ont triché. Des pétards, des pétards. Ils suivent, hein, mais c'est toi! Bravo! Merci! Je crois que c'était Françounet. Putain, faut qu'on sourire! Oui! Ça va bien? Ouais! Ah, le président, s'il va bien. Pas le président, tu devrais signer la lettre qui consigne quand même. C'est toi qui les a instaurés. Tu viens pas. Ça merde. Alors. Votez Mélenchon. Mélenchon. Avec Mélenchon, tout est bon. On a eu Yvon, c'est ça, et exactement. Maintenant c'est là. Exact. Il y a encore quelqu'un derrière? Oui, il y a deux filles. C'est Jean-Claude. Tout va bien? Bah, commence à en baver un peu là. Ouais. Faire du bruit. Souffle. Life's a dream. And I do my music too. Rider. Pardon? Moi je m'appelle Cricri, je fais du 95P. D'accord. Et
très intéressant. Et quoi d'autre? Et au niveau du bassin, j'ai dépassé malheureusement les 95. Mais c'est pas mal, hein? Mais bon. Waouh! Je suis un peu, je continue, hein, pour garder la vie. 92, 92. Des disqualifiés. Non, moi, je suis pas président de la commission technique, mais je tiens à vous dire qu'il y aura des disqualifiés. Ah bah, il va y en avoir des disqualifiés. Il va disqualifier le président. Je me demande s'il va rester déqualifié d'ailleurs. Ouais. Tiens, bien, Marco a dit que le règlement n'était pas indiqué. C'était le chemin obligatoire. Le seul point fixe, c'était l'arrivée. Marco a dit le chemin obligatoire, sauf qu'il y a. Attends, voilà. Alors, je pourrais dire à Giovanni et Angelina de regarder YouTube avec les... Mais si, pourtant c'est pas vendredi, c'était pas la journée de la moule. Ah, on met un coup à la bouteille. Hein. On est pas en haut du chardonnay, mais on a mis en bas le chardonnay. Ouais. Marco, ouais. Va les prendre. Va. Go!
bien et du prochain. Bien joué. Pas derrière le cinéma. Il a été croisé avec une espagnole. C'était une espagnole à moitié folle. France Sounette, écrit Jean-Léon, écrit Marco, c'est parti. Oh, trop fort. Bravo. Ça a marché, ça pouvait pas mieux marcher. Non, pas vraiment, mais je voulais. C'était eux, j'avais peur qu'il y ait un problème technique, tu vois, de téléphone qui passe pas. Ou, hein. Et moi, je me suis arrêté chez. Ouais, c'est les chers. Et un ancien des arts de la famille de Robert et Vivant. Aïe, aïe, aïe. Mais oui. Des à la tienne. Alors, ça va, vous êtes bien régalé. Alors, les Puppy Riders et. On croyait tout seul. Waouh ! Trop fort ! Oh là là, ils arrivent d'em ! Ah, mais trop fort ! Ça va, ouais ! À poil ! À poil, c'est à poil ! Oh, ben là, bonsoir ! Pascal, Yanni, il y a tout le monde. Oh, wow, 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 wow. Moi, je fais du sport. Nous, on est montés en vélo. En vélo, bravo. Président. 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 Vendredi, poisson. Bonne année Dédé. Bonne année Dédé. Mesdames et messieurs, vive le président Perrin. Donc vive le président Perrin. Ah ouais, bah oui. Elles sont où les pétades? Je déclare ouvert l'apéro.
on le chante. Venez. Oh, mais c'est trop dur. Non, mais grave. Allez, oh. Eh, grâce. On lui gratte les coucougnettes, ça vient. Il doit y avoir une prise d'air quelque part. Oh. Allez, c'est elle qu'on teste là, tout le monde y passe. Allez, une belle chanson. Procéder désormais à la remise officielle des prix. En tant que président à vie, je tiens à décerner le premier prix de cette édition 2012 des Papy Riders à Yvon Cressant. Offrir le premier prix ex aequo des Mami Riders à Cricri, la reine du ski, et à France Ounette pour sa première participation. Voilà. La coupe va se partager. Chanson, c'est une chanson. Voilà. C'est une chanson. C'est une chanson. Oh, les guides, hein. Non, mais la chanson. J'ai une chanson, par contre, excuse-moi, Françoise, c'est plutôt pour Cricri. Parce que ce matin, en montant, tu vois, on montait tous les deux, on a que tous les deux, tout ça. Elle m'a expliqué que dans sa maison, elle avait un petit bout de jardin. Ah oui, allons-y. Elle avait un petit bout de jardin. Maestro. Hein? Donc on va faire la chanson. Alors, attention. Attends, je me rappelle pas du début. Elle tenait de sa mère un petit bout de jardin. De forme triangulaire avec un bassin. Mais beaucoup trop fière pour y mettre la main. Elle alla chercher le voisin pour le labourer. Et le voisin labourait soir et matin. Ah, elle s'appelait Christiane. Christiane. La 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 la. La 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 la. Elle avait chez elle toutes sortes d'animaux. Une tourterelle, deux ou trois perdons. Une ribambelle de petits moineaux. Mais son préféré, c'était sûrement son chimpanzé. Tous ses amis chatouillaient son whistiti. Ah, elle s'appelait Christiane, Christiane, Christiane.
Christiane. Nous avons maintenant un prix spécial Papy Rider pour les deux belles libellules qui ont monté en vélo ce matin. Ouais, la jolie petite libellule. Magnifique. Bravo mesdames. Nous avons maintenant un prix spécial canin pour le Yorkshire bondissant. Le Yorkshire bondissant à qui je remets la plus petite coupe qui n'ait jamais existé au monde. Mesdames et messieurs, félicitations pour le Yorkshire bondissant. Bravo. Alors, vous savez que chaque année, nous avons l'honneur et l'avantage d'avoir un artiste local qui nous fait un trophée. Ce trophée spécial est particulier. Et cette année, ce trophée spécial, je vais vous le montrer, c'est le Piranhas des Neiges. Voilà, le Piranhas des Neiges, mangeur de poudreuse, qui doit être remis. Ah, voyons, regardez l'animal, regardez la bête, il a bête. Il est tellement con que si on le prend pas, il bouffe sa queue. Regardez, il a un peu de sang sur la queue. Voilà, le Piranhas des Neiges, ce célèbre animal qu'on ne voit jamais, sauf pour ceux qui mangent beaucoup, beaucoup de poudreuse. Alors, ce Piranhas des Neiges, je voudrais le remettre officiellement à quelqu'un qui n'est pas parmi nous, mais dont Benoît est son représentant. Je voudrais le remettre à Jean Nervin. Ah. Voilà. Ah. Parce que je voudrais que ce Piranhas qui bouffe tout, lui bouffe le crabe qui est en train de le ronger. Parce qu'il a un combat difficile. On pense tous à lui, forte présente de ses amis. Voilà. Et que quand il est dans ses combats, il dit moi je vous emmerde, j'ai mon Piranhas des Neiges. Voilà, Benoît, s'il te plaît, je te remettrai officiellement à ton grand ami Jean Nervin, le Piranhas des Neiges. Je vais faire le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Voilà, mesdames et messieurs, la soirée, la journée ne fait que commencer. Buvons et c'est gratuit. Ah non, mon père. Je serai ton artichaut et toi dans ma pomme de terre nouvelle. Vous avez bien skié? Alors vous êtes
Vous êtes venu skier à la Plagne? Ouais, super. Et vous aimez bien la Plagne? Le domaine est superbe. Hein. Eh ben, skier, ouais, bah, tant mieux pour la Plagne. Hein, ouais. Ah non, mais... Léon, c'est pas ta place là. Hein? C'était à ta place? Mais oui! Ah. Comment ça se fait que t'as changé de table? J'ai c'est pas changé de table! Ah. Voilà, vous les deux, voilà. Non, mais... voilà. Le Yorkshire bandit ça. Les enfants, ils jettent ma lisette. Les enfants, tu bois, ce qui est bon, tu bois. Ils jettent ma lisette. Do you like La Plagne? Very good. C'est bien. C'est bien. Thank you. Excuse-moi, j'ai pas compris qui. Jean Herve. Qui est un type hors norme, sur qui on a une admiration profonde, qui a fait des trucs formidables et qui en ce moment lutte contre une grave maladie. Et je voudrais qu'il sache qu'on passe à lui. Mais moi, ce qui me plaît, là, c'est votre côté humain, là. Ça me plaît vachement. Ouais, mais normalement, on n'est pas humain, mais bon, j'en ai un, on l'aime et on voudrait qu'il s'en sorte. Et on passe à lui. Il a un problème, Pascal, c'est que c'était mieux son fils, il est plus connu que lui. C'est vrai, maintenant. D'un seul coup, il fait la gueule, regarde. On peut draguer les jeunes filles tranquillement sur la terrasse de ce formidable endroit. Mais vous avez le droit, vous êtes le playboy universel, Pascal. Vous n'avez plus que ça, Ben Valentin vous a dépassé, donc ce qui est vrai, vous êtes cuit. Où tu as raison, c'est que pendant 16 ans, mon fils disait, je suis le fils de Pascal Valentin. Et voilà. Depuis 2 ans, oui. Notamment au X-Game de Tignes ou ailleurs, quand je dis je suis le papa de Ben Valentin, il y a des mômes qui me regardent avec les yeux brillants comme si j'étais... Donc ça s'est inversé maintenant, je me recommande de mon fils. Et oui, il y a ceux qui s'amusent, puis il y a ceux qui bossent, c'est comme ça. C'est ça la restauration. Yamankuna. Récapitulation. Si pianta così, si cresce così. La poletta così. Come si fiora la pera polenta, la pera polenta si fiora così, si pianta così, si cresce così, si fiora così,
si staje così, si brace così. Oh! Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Benoît, dans les Papy Riders au Kermos, voilà, c'est celui qui avait le surf et qui voulait faire 200 mètres. Et finalement, il a fait 400 mètres, il a fait 500, il a fait 1000. C'est une bête. Benoît, c'est la bête. Oh, mais arrêtez, vous prenez toute la place. Ils étaient là les premiers. Ils les connaissent, ces gens.